Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, du soleil de l'Andalousie au ciel tourmenté de la Castille, c'est dans l'Espagne du siècle d'or que nous entraîne aujourd'hui Franck Ferrand sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia. Bonjour à tous. Il y a longtemps que je voulais consacrer une émission à celui qui a mes yeux. Ça n'engage que moi et l'un des plus grands parmi les grands peintres, un artiste majuscule, puissant sur le fond, virtuose dans la forme, Diego Velasquez, qui devait inspirer tant de maîtres après lui, et pas seulement Manet, Picasso euh, ou Bacon qui s'en réclamaient. Ouvertement. Et pourtant, en quantité, vous me disiez que sa production a été assez faible. Oui, en effet. Alors, je ne ferai pas des mathématiques. <laughs> mais on sait qu'il existe environ 120 tableaux de Velasquez, dont une bonne partie fait la gloire du musée du Prado à Madrid. Certains sont des phares de la peinture, les fileuses, la Vénus au miroir, le portrait du pape Innocent X, la réédition de Breda qu'on appelle les lances, tous les portraits de Philippe IV, de la reine Marianne et des Infantes. Et puis, bien entendu, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, les Ménines, dont je vous parle. Je parlerai tout à l'heure. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'était il y a 23 ans déjà, dans la fraîcheur, pour ne pas dire la froideur des matins de printemps madrilène, une longue file dès 8h envahissait le petit jardin qui entoure le musée du Prado des bâtiments néoclassiques, gris, sobres, à colonnes. Pourquoi cette influence Eh bien parce que pour la première et seule fois à ma connaissance se trouvaient réunis dans quelques salles de cet admirable musée de peinture une grande partie, presque la totalité, des œuvres connues de Diego Velázquez. Un rêve pour les amoureux de la peinture, un événement qui d'évidence justifiait le voyage. Les tableaux étaient là. Réunis dans un même lieu, alors les œuvres de jeunesse d'abord celles des années 1615, 1620, Edimbourg avait prêté la vieille femme faisant frire des œufs, avec son réalisme presque insoutenable, Londres avait envoyé la Guador de Séville, en français le porteur d'eau, avec au premier plan vous avez cette fameuse cruche dont la panse en terre cuite accroche des gouttes de condensation, un véritable tour de force dans le traitement des matières. Pas plus extraordinaire à tout prendre que le verre cristallin si fin que tiennent le vieil homme et le page et dont on a l'impression qu'il va se fêler d'un instant à l'autre. Le triomphe de Bacchus et surtout la forge de vulcan avec ses nus réalistes appartiennent aux collections du Prado, comme la plupart des portraits royaux en pied ou à cheval et les lances, les fileuses, les ménines bien sûr. Mais certaines infantes sont en temps normal à Vienne ou à Paris. Quant au grand portrait du roi Philippe IV en tenue de brocard d'argent, il est à la National Gallery de Londres, de même que la célébrissime Vénus au miroir, fleuron de la grande pinacothèque britannique. Vous avez peut-être à l'esprit cette toile, en tout cas vous l'avez forcément vue un jour ou l'autre. Hein. Le visage de la jeune femme n'est visible que dans le miroir que lui tend un angelot et alors ce miroir nous renvoie son regard euh, légèrement troublé et elle préfère, ou le peintre a préféré, nous présenter sa sensuelle, son étourdissante chute de rein. Voilà une œuvre incroyablement érotique, tout à fait à part dans la production tellement comme il faut de Vélasquez. Cette réunion, cette concentration des chefs doeuvre du maître, à près d'un quart de siècle maintenant, je vous dis c'était en 1990, mais j'en ressens encore toutes les beautés comme si c'était hier. L'une des toiles les plus fascinantes de Vélasquez, c'est peut-être son grand portrait du pape Innocent X, exposé à Rome à la galerie Doria Pamphili. Elle a été peinte en août 1650 et l'artiste qui la est à sa maturité en a profité pour imaginer les plus audacieux des camarades. Une juxtaposition d'un camailleux de rouge pour le camaille de velours du pape, son bonnet, le camauro, le rideau de fond, et d'un camailleux de blanc pour le rocher de dentelle. Vous imaginez la maîtrise qu'il faut pour que l'exercice ne tourne pas au désastre. Et je ne parle pas de la finesse du portrait lui-même. Le pape, dit-on, en découvrant l'œuvre finie, se serait exclamé Troppo vero Il est trop vrai Telle est bien l'exclamation qui vient spontanément aux lèvres devant de telles prouesses picturales trop vraies. Et pourtant, si vous vous approchez d'étoiles, vous verrez que rien n'est posé, rien n'est fini, rien n'est léché au contraire. Avec une virtuosité et une modernité de regard proprement stupéfiante, du bout de ses pinceaux très longs qui lui permettaient de se tenir le plus loin possible du chevalet, Velasquez a brossé son sujet à grands traits, des traits presque impressionnistes, si l'on ose dire, à la diable, aux débeautés, il a bien fait puisque nous en parlons encore aujourd'hui. J'ai demandé à mon ami Serge Legat, grand conférencier, incomparable connaisseur de la peinture, de venir nous parler du maître Castillan, un Velázquez dont le génie n'a été reconnu à sa juste valeur que très tard, pas avant le 19e siècle. Un extrait sur un de la Spagna de Francisco de la Torre, puisque nous nous, nous emmenons aujourd'hui dans l'Espagne du siècle d'or à la découverte du peintre Velázquez. Sur Europe 1, hein. nous sommes en compagnie de Serge Lega, bien connu des auditeurs, historien d'art, conférencier des musées nationaux. Il va nous faire découvrir Diego Velasquez. C'est un sujet qui fait réagir. Donc... Eh oui, et oui, tant mieux, je suis content que les auditeurs aiment l'histoire de l'art. Il faudrait qu'on en fasse plus souvent, plus régulièrement. Après tout, on pense toujours que la radio est une affaire d'idées et de phrases et de mots. Mais c'est une, oui, une affaire d'image, évidemment. Euh, Nicolas nous dit Velasquez a été soutenu par un de mes aïeux, le septième e de Lemos. voyez, on est déjà dans cette cette Espagne du, du siècle d'or de l'Espagne de Philippe IV, il faut imaginer bien entendu. Velasquez disait de Madrid el ciel, c'est de, de, de Madrid, je retiendrai le ciel en quelque sorte, mais on est dans cette Castille triomphante qui, depuis près d'un siècle, voit abonder dans ses coffres l'or des Amériques, Serge. C'est tout à fait le, le, le point de départ de cette carrière étonnante. C'est vrai que c'est la richesse de Séville qui est vraiment le point de départ de la vie de Velázquez, mais aussi de toute la grande peinture du siècle d'or. On peut vraiment dire que la capitale artistique de l'Espagne au XVIIe siècle, c'est Séville. Madrid est la capitale politique, et d'ailleurs pas depuis très longtemps, puisqu'elle l'est seulement depuis le XVIe Exactement, siècle. Oui. Mais euh, c'est vraiment Séville. Ça a longtemps Séville. été Tolède d'ailleurs, en enfin, parce que c'était bon. un peu itinérant, et puis peu à peu ça se fixe à Madrid. C'est tout... Philippe II qui voilà. décide d'installer vraiment la capitale à Madrid. Mais Séville reste la capitale artistique. Et tout le siècle d'or, tout le XVIIe, est vraiment un siècle sévillant, puisque Velázquez, mais Murillo, Zurbarán ah oui, et beaucoup d'autres peintres sont également des grands maîtres de cette école Alors sévillane. Alors là, on est à la cour de, de Philippe IV, c'est le duc d'Olivares qui est le premier ministre. On a évidemment quelques images hein, de cette Espagne du siècle d'or, à commencer par euh, cette architecture impressionnante de l'Escorial, l'Escurial, comme on dit en, en français. Ce sont Lorenzo de l'Escorial qui se trouve. Tout près de Madrid, un grand oui. monastère qui sert de résidence au roi d'Espagne. Euh, on a tous, bien sûr, à l'esprit aussi euh, le film de Gérard Houry, disons-le, La Folie des Grandeurs, avec Louis de Funès et, et Yves Montand hein, et, et Alice Sapritch C'est cette ambiance-là, en fait, hein, cette ambiance du siècle d'or espagnol, des portes très ouvragées, marquetées sur de grands murs blancs, des, euh, de, des jardins luxuriants montés à l'espagnol, hein, tout ça. Enfin, cette, cette atmosphère à la fois très riche et très austère, c'est un paradoxe. Et, et ça qui est le paradoxe et je dirais que l'Espagne est de toute façon à ce moment-là un pays de tous les paradoxes puisque c'est un pays qui entre autres en peinture est basé sur un très fort naturalisme qui est en même temps le pays du mysticisme par excellence et c'est vrai qu'a priori réalisme et mysticisme ne sont pas forcément de termes non. que l'on associerait. L'Espagne y arrive et ce qui est tout à fait exceptionnel c'est ce que vous venez d'indiquer Franck, c'est à quel point il y a cette puissance ce luxe extrême de la peinture espagnole et en même temps une vérité par exemple dans les portraits qui va déconcerter d'ailleurs toutes les autres cours, jamais des monarques français ou des princes italiens n'accepteraient la vérité que l'on a dans ces portraits espagnols. J'avais un ami qui, parlant de cette Espagne du siècle d'or, disait, oh, des clés et des crucifix. Mais c'est un peu ça, ouais, hein, c'est un, un peu cette idée. Euh, la, la religion est très présente dans cette société. Très présente. Et à ce niveau-là, Velázquez est justement une exception, puisque parmi tous les grands peintres espagnols, Velázquez a bien sûr réalisé des tableaux religieux, mais somme toute, il a peu travaillé. Pour le monde des églises, des couvents. Là, c'est la grande différence avec Zurbarán, qui est exclusivement exemple, un peintre de monastère. Et Velázquez est beaucoup plus un artiste qui travaille la scène de genre ou le portrait, bien Alors sûr. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne vient pas d'une famille d'artistes. D'abord, euh, on, on va parler de Madrid très vite, mais au départ, tout ça naît en Andalousie. C'est un enfant de Séville. C'est un enfant de Séville. Il est né en 1599. Alors, on n'a pas sa date de naissance exacte, mais on sait qu'il est baptisé le 6 juin. Dans un pays aussi catholique, la naissance est forcément vraisemblablement la veille. Puisque on ne prendra pas le risque de laisser un enfant sans baptême. Donc il est baptisé le 6 juin 1599 et sa famille est une famille dont le père est d'une famille d'origine portugaise, mais installée déjà bien évidemment en Espagne, et c'est une famille qui s'apparente à la petite noblesse. 1599, c'est comme, euh, comme Diane de Poitiers qui naissait en 1499. C'est très pratique pour les chroniqueurs parce qu'on sait exactement l'âge qu'il a en fait. Hein. On sait qu'en 1643, il a 43 ans. C'est assez pratique. Alors, qui ont été les maîtres, les formateur de ce Diego Alors, l'un des maîtres certains, son maître par excellence, c'est l'un des grands peintres de Séville, c'est Francesco Pacheco. Et Pacheco, nous savons que Velázquez est en contrat d'apprentissage auprès de lui à partir de 1611. Ce qui est assez amusant, c'est que le contrat est pour 6 ans. pas 12 ans. Hein. Euh, tout à fait. Et et une vieille légende continue à dire qu'avant le passage chez Pacheco, il y aurait eu, donc vers dix ans, un passage chez le peintre Francesco de Herrera le Vieux. Alors il faut savoir que maintenant ce passage chez Herrera le Vieux n'est plus du tout euh, attesté. On n'a aucun document précis et certains historiens considèrent que c'est plutôt une légende. Ouais. Pacheco est vraiment le maître Herrera. Qui influencera Velázquez n'est pas forcément un des maîtres de Velázquez. L'histoire de l'art est comme l'histoire politique, elle évolue constamment et on a des thèses qui viennent, remplacer des th <coughs> pardon, qui viennent remplacer des thèses plus anciennes. Je retrouve ma voix et nous nous retrouvons dans <laughs> un instant. De Caspar Sanz, Franck. Et oui, on est dans cette Espagne et dans cette Andalousie du XVIIe siècle. Alors, il ne faut pas oublier que, évidemment, Séville a servi de porte d'entrée à toutes les richesses de l'Amérique. C'est là qu'accostaient les galions. Et donc, la ville a connu une fortune quasiment sans exemple, Richard. Euh, Richard Serge, pardon. <laughs> Je parle de ville riche. Effectivement, Séville est sans aucun doute d'abord la ville la plus peuplée d'Espagne depuis la fin du XVIe siècle, ville très enrichie par euh, effectivement le commerce avec les Amériques, et c'est une ville qui va rester très puissante jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Par contre, elle sera touchée comme toute l'Espagne par la grande crise financière des années 1640. Il y aura un déclin de Séville à partir de cette période. Mais toute l'enfance de Velázquez, tout son début de formation, se passe dans, dans une ville vraiment. dominante. Alors, il est le jeune apprenti de cet atelier chez Pacheco, il n'est pas le seul, j'imagine, il, il y a toujours pas mal de monde dans, dans, dans ces ateliers. Est-ce qu'on peut dire qu'il se distingue de ses camarades Est-ce qu'on est qu a des, des légendes disant Ah, ben, il était particulièrement euh, précoce, il avait un, un talent in, inné alors, Velasquez, euh, au niveau de sa vie privée, au niveau de sa vie personnelle, on a encore beaucoup de zones d'ombre. Par contre, une chose qui est très révélatrice, c'est qu'il est qu l'élève de Pacheco et il sera son gendre. Oui, et là, il n'y a bon pas bon. du tout de hasard. <laughs> Généralement, un maître choisit toujours son un élève, élève qu'il ouais. considère comme le plus doué pour évidemment lui donner sa fille, son, et fils, euh, son fils, son fils spirituel. C'est comme ça qu'on crée ces traditions et ces transitions d'un atelier à un autre. Donc, il est certain que Velasquez se démarque puisque il épousera Juana Pacheco quelque années plus tard. Alors je parlais tout à l'heure des, des œuvres de jeunesse de Velázquez qui sont peintes donc euh, à Séville. Hein. Il y a quelque chose là d'intensément réaliste. On parlait du réalisme tout à l'heure. C'est très fort là, hein, très notamment. Fort. Là... Et c'est une base de l'art espagnol. On, on parle de ce naturalisme, de ce réalisme espagnol qui est aussi associé à ce que l'on appelle le ténébrisme espagnol. Puisque c'est une peinture qui est une peinture très basée sur l'observation, sur le réel sur les contrastes. et sur les contrastes. C'est une peinture d'ombre et de lumière. Et ce ténébrisme, ce réalisme, au fond tous les peintres espagnols du siècle d'or ont commencé leur carrière de cette façon. Alors c'est amusant parce que quand on dit Velasquez, évidemment, la première image qui vient, ce sont des rois, des reines et des infantes, hein, dans des costumes de brocart brochés d'or, etc. Et si l'on regarde les premiers tableaux qu'il a faits, ce sont des scènes paysannes, grand, avec des personnages vêtus d'une grande pauvreté. Hein. Et c'est très lié à la culture espagnole de l'époque. Ça relève de ce que l'on appelle le monde picaresque. On est vraiment dans ces thèmes très populaires de la vie des, des gens humbles, représentant ce que Franck vous évoquait tout à l'heure, cette vieille femme qui fait frire des œufs, voilà, le porteur d'eau de Séville. C'est-à-dire des scènes des paysans à table. Il y a un très beau tableau qui est peu connu, qui est au musée de Budapest, qui est un musée très riche en œuvres euh, espagnoles entre autres De Velasquez et qui montre vraiment ce début de carrière sur des sujets très réalistes et toujours associés. ça c'est très important aussi à ce que l'on appelle les bodegonesses, c'est-à-dire ces natures mortes également très réalistes et d'objets très humbles là que sur le sur la même scène qui sont disons des scènes de genre ce qu'on appellerait en histoire fait. de l'art des scènes de genre on a des natures mortes donc d'un réalisme saisissant et des études psychologiques qui sont dignes de grands portraits tout ça sur un même tableau c'est quand même ce sont des tableaux d'une grande richesse et qui demandent des talents. Divers. C'est la, la grande force de Velasquez, c'est justement de pouvoir traiter aussi bien ces sujets d'objets, ces sujets de personnages, d'introduire même parfois dans ces scènes réalistes des sujets religieux, puisqu'on a par exemple le Christ chez Marthe et Marie, qui a un premier plan, qui est un premier plan exactement de ce que l'on évoque, une scène de genre, et tout, en arrière-plan, à, à travers le une oui, fenêtre, voilà. il y a la fameuse scène du Christ chez Marthe et Marie qui est représentée et qui montre ce télescopage entre la réalité, d'ailleurs qu'on retrouvera beaucoup Plus tard, dans un chef-d'œuvre dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est Les Fileuses, où on a un premier plan réaliste et un arrière-plan représentant un thème mythologique. Non seulement réaliste le premier plan, mais le rouet donne le sentiment d'un mouvement. Ça, c'est voilà. rarissime en peinture. C'est-à-dire qu'il a réussi à, à saisir le, le, la roue en mouvement. On a l'impression qu'elle tourne sur le tableau. C'est complètement et, étonnant à et, voir. Et, et c'est là où je dirais, dans les ouvertures vers le futur, qu'on pourrait même dire que Velázquez, on dit toujours qu'il annonce l'impressionnisme, ce qui mmh. est assez juste. On pourrait même dire que par cette recherche du mouvement, il annonce ce que feront les futuristes voilà, italiens. Représenter la notion du mouvement en peinture. La représenter, voilà. Représenter la, la, ce qui est a priori pas possible en peinture. Alors justement, la vitesse. Allons-y, le train va partir. C'est le train de la carrière de Velasquez, Phénoménale carrière. Le voilà parti pour Madrid. Il a 20 et quelques années, 21 Exactement. ans. Exactement. Il fait un premier séjour à Madrid. C'est un séjour vraiment artistique. Il vient à Madrid pour étudier les collectivités. Royales qui sont richissimes, entre autres en tableaux italiens, vénitiens. Donc, il vient pour une première fois à Madrid en 1622 et il revient en 1623. Mais cette fois-ci, c'est le début d'une carrière officielle. Il est appelé à la cour, entre autres par le fameux comte duc d'Olivarès, qui mmh. est le favori de Philippe IV à l'époque. Et là commence une carrière absolument hallucinante. <laughs> et je trouve qu'il y a une date, moi qui suis pas forcément toujours très accroché aux dates, qui est révélatrice. Il rencontre le roi, il termine son premier portrait le 30 août 1623 il est nommé peintre du roi le 6 octobre 1623 ouais, c'est-à-dire qu'en quelques mois il est devenu peintre du roi et il aura tous les honneurs Le talent phénoménal de cet artiste l'a imposé à la cour on peut dire honnêtement du jour au lendemain, jour au lendemain. il est à peine arrivé qu'on le reconnaît déjà comme peintre du roi, il va gravir les échelons et ce qu'il ne faut jamais oublier c'est que si Velázquez reste à nos yeux comme un très grand artiste il aura été en son temps d'abord et peut-être avant tout un très grand en courtisant, puisqu'il va faire partie, une partie intégrante de la cour de Philippe IV. C'est ce que nous voyons ensemble dans un instant. Nous partons cet après-midi sur Europe 1, hein, sur les traces d'un grand peintre, l'un des plus grands de tous les temps, c'est Velázquez. Alors, euh, je vais vous parler dans, dans un moment de, de ce tableau célébrissime, les Ménines, bien entendu, qui sont incontournables, et, et à juste titre, hein, parce qu'il y a parfois des, des réputations incontournables qui peuvent être contestées, mais là, c'est vraiment pas le cas. Simplement, j'aimerais qu'on revienne cinq minutes sur la position de, de, de El Señor Velázquez à la cour. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, un courtisan très assidu, il va grimper dans les. Dans, le, dans la hiérarchie, jusqu'à devenir aposentador mayor, c'est-à-dire le grand chambellan du roi d'Espagne, hein, très, très, haut, très très haut rang. Euh, comment est-ce que les, les, les nobles de l'époque, les grands d'Espagne, voient cette ascension, Serge Alors je dirais que dès le départ, ceux qui vont le plus mal réagir sont surtout les artistes madrilènes. Eh oui. C'est-à-dire que d'abord hein. il y a une jalousie absolument féroce contre Velázquez. Vicente Carduccio, Eugenio Carres sont des peintres qui vont tout de suite très mal réagir, puisqu'on voit ce peintre sorti de Séville et qui devient l'astre solaire de la peinture espagnole. Donc il y a des réactions violentes et puis il y aura par la suite des réactions très violentes de l'aristocratie quand on verra les liens de Velázquez avec Philippe IV. Alors peut-on parler d'amitié et ça c'est ne pas connaître l'Espagne. On ne peut non, pas là, parler d'amitié entre un roi et Mais un très grand estime. Grande estime. Velázquez est admiré par Philippe IV, ce qui fait d'ailleurs que justement à la fin de sa vie Velázquez sera même anobli par le roi, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et là on arrive un phénomène, là je vais très loin, mais unique, c'est-à-dire que même le roi d'Espagne, pour imposer Vélasquez au cœur de cette noblesse espagnole, devra faire appel au pape. Il faudra une dispense du pape pour que l'acceptation de l'ordre de Santiago donné à Vélasquez soit vraiment efficace. Je me rappelle lorsque j'étudiais l'histoire de Louis XIV, c'était une de mes passions d'adolescent. Euh, je, par, je parlais de, des négociations entre Mazarin et Don Luis de Haro, le, le traité de l'île des Faisans, etc. Et je voyais arriver le nom de Velasquez. Monsieur Velasquez a prévu que Velasquez pensait que. Je me suis dit, mais qui est ce Velasquez qui, qui ressemble. On dirait que c'est le nom du peintre. Mais ce n'était pas on dirait. C'est bien le peintre dont on parlait. C'est-à-dire que ce personnage a est intervenu dans l'histoire d'Espagne hein, est... et, et c'est sûrement aussi l'explication du petit nombre de tableaux que l'on connaît puisque mm -hmm. Velázquez a effectivement d'autres fonctions que simplement celle d'un peintre de cour c'est aussi un personnage qui a une vie véritable au sein de cette cour espagnole et voilà pourquoi on connaît 100 120 tableaux de l'artiste oui. qui est une œuvre très 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 limitée et, pour une carrière et encore parmi les 100 120 tableaux combien de tableaux représentant toutes ces infantes j'allais dire au kilomètre c'est pas très gentil parce qu'en plus chacun de ces tableaux est intéressant Mais Enfin, euh, le modèle, il l'a fixé une fois pour toutes. Hein. Ces jeunes filles de la cour d'Espagne, donc qui sont des, 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 des filles du, du roi et de la reine Ma Marianne, et qui sont euh, représentées euh, deux, trois quarts avec leurs vertugadins, hein, ces espèces de robes invraisemblables hein, extrêmement bon. larges. Euh, elles sont rigides, figées avec leurs coiffures, euh, dont on pense que ce sont des perruques. Hein, du reste, euh, on peut dire qu'il en a peint des infantes. Il hein. en a peint beaucoup, et il les peint aussi avec. Moi, je suis toujours très, très, très touché dans la série. Quand on voit la série des portraits de l'infante Marguerite justement oui, celle oui. que l'on trouvera dans les Ménines parce que Velasquez montre... Qui deviendra plus tard impératrice. En oui, et qui mourra très jeune elle meurt, mm -hmm. elle a 22 ans, c'est mm -hmm. une vie très courte et je trouve absolument bouleversant de voir ces portraits les uns à la suite des autres parce que c'est un très joli bébé c'est une très jolie petite fille c'est une adolescente ingrate et elle devient une adulte plus du tout séduisante non, et elle est aux portes de la mort puisqu'elle meurt encore une fois à 22 ans et elle a perdu toute la fraîcheur et toute la joliesse qui était celle de sa jeunesse et Velázquez la représente toujours telle qu'il la voit et telle qu'elle est. On ne comprendrait rien à l'évolution et à la maturation de l'art de Velázquez sans les voyages en Italie. Ça, ça va être fondamental. Absolument capital. Et ce qui est capital aussi, c'est que peut-être le voyage en Italie s'impose, de toute façon, pour Velázquez. Mais il y a une rencontre qui prépare le premier voyage en Italie, c'est la présence de Rubens à Madrid. En 1628, Rubens, pour des raisons diplomatiques, est à Madrid. Et c'est peut-être Rubens, qui devient un ami de Velázquez, qui lui conseille à tout prix ce voyage italien. Et c'est d'ailleurs extraordinaire. Rubens et Velázquez se rencontrent en 1628 et Velázquez part pour la première fois en Italie en 1629. Ah oui. Et alors là, ça va être. C'est une redécouverte de tout pour lui. Et c'est un changement radical de sa peinture. Sa peinture s'allège, sa peinture devient lumineuse, sa peinture qui connaissait déjà très bien les références italiennes devient effectivement plus italianisante, plus solaire, et c'est une peinture qui devient beaucoup plus fluide. Les effets picturaux vont changer. Et ce qui va être assez extraordinaire chez un peintre comme Velázquez, pour parler un peu de technique, c'est que tous les tableaux du début de carrière sont des tableaux sur une préparation rougeâtre. et Progressivement, la préparation devient grise et on arrivera à des préparations blanches, ce qui donne une luminosité à l'intérieur même du la tableau. La préparation, c'est la toile, hein, le la fond toile. de toile Exactement. sur lequel on fond. travaille. Tout à fait, sur lequel on travaille. Euh, ce qui est fascinant lorsqu'on analyse alors de manière scientifique, comme on peut le faire depuis quelques décennies, les toiles de Velázquez, c'est ce qu'on se rend compte que le dessin est quasiment inexistant. <laughs> C'est-à-dire que ce, ce bonhomme peint comme peindra plus tard Claude Monet, si j'ose dire. Hein, mais... Ce qui fait d'ailleurs qu'on connaît peu de dessins de Velázquez. On connaît peu de tableaux, mais les dessins de Velázquez sont encore. Plus problématique. On a même beaucoup de problèmes d'attribution au niveau des quelques dessins donnés à l'artiste. Et c'est absolument extraordinaire parce qu'à la fin, effectivement, la peinture est devenue libre d'une liberté qui annonce là vraiment l'impressionnisme. On parle des borones, c'est-à-dire les tâches. C'est une ouais, peinture ça. de tâches, là aussi, quelle Alors, modernité. Est-ce que c'est vrai J'ai toujours entendu dire ça, mais c'est toujours intéressant d'avoir un historien qui va nous dire si c'est vrai ou pas. Que Velázquez, peu à peu, s'est fait faire des, des brosses, enfin des pinceaux de plus en plus longs. Euh, on dit que les plus longs faisaient près d'un mètre, ce qui lui permettait d'être très loin des toiles et d'avoir tout de suite l'effet produit. C'est sans aucun doute vrai et c'est une chose que déjà pratiquait un peintre comme Titien. Et s'il y a bien un artiste que Velasquez admire dans l'art italien, c'est Titien. Et on disait même que Titien, à la fin de sa vie, utilisait presque des balais pour faire de la peinture, pour <laughs> montrer que c'était tellement sidérant ces pinceaux immenses. Et Velasquez prend sans aucun doute cette distance par Alors, rapport à la peinture. Ça suppose d'avoir quand même un, un, un toucher extrêmement sûr parce que euh, l'amplitude. Est accrue par la taille du. Enfin, c'est tout ce que je dis. Décidément, on est dans les maths aujourd'hui, mais, mais c'est évident. Plus le pinceau est long et plus la, le moindre mouvement est répercuté et démultiplié. Ça suppose donc une très, très grande précision, cher. Ça chez le parle. une extrême précision et en même temps cette qualité exceptionnelle de partir de cette précision et d'arriver à la transcender pour arriver à la liberté. Ça, c'est vraiment la preuve d'un génie et c'est la preuve d'une qualité picturale qui dépasse un grand maître pour arriver vraiment dans le domaine absolument exceptionnel. Alors, on a vu que les premières œuvres de Velázquez étaient intensément réaliste, un naturaliste, avez-vous même dit, Serge Legat. En fait, ces toiles, elles ont une, on peut dire, elles ont une, une luminosité intrinsèque. Et puis, petit à petit, euh, on va vers quelque chose de beaucoup plus impressionniste. Si tant est qu'on puisse en vous le mot. Hein. Mais parfait. ce qui est étonnant, c'est qu'on ne perd rien dans le rendu des matières, dans la très grande finesse psychologique. Les cheveux, par exemple, des personnages sont incroyablement justes. Et quand on, encore une fois, on les voit juste de loin, et quand on s'approche. De la toile, ce ne sont plus que des espèces de, de tourbillons, de serpentins, de, de morceaux, de, on a envie de dire des touches de peinture qui ont l'air d'avoir été jetées. Il n'y en a ça. même pas le sentiment du détail, justement. Là, on a l'impression de la masse des cheveux ça. et pas du tout la représentation. Et, et c'est ce qui explique aussi la passion de l'art moderne. Moi, j'adore la phrase de Renoir. Renoir disait Je donnerai tout, absolument tout dans la peinture pour les petits nœuds dans les cheveux des infantes de Velasquez. Ouais, ça, pour moi, c'est une des plus jolies phrases que l'on puisse et mentionner. Tout... Tous les peintres, prenons-les, Alors on ne va pas tous les citer, mais tous les maîtres ont été fascinés à partir des années 1820-30, ah oui. à partir du moment où on redécouvre Velázquez, parce qu'au XVIIIe siècle, par exemple, il est considéré comme un peintre mineur, hein, ce oui, qui était étonnant. Même presque un, 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 pas, oui, un peintre de seconde zone, un, pas un artiste oui, qu'on considère oui. comme justement très important. Et puis on, on le redécouvre avec la modernité, en quelque sorte, il va devenir le maître de tous les peintres, y compris tous les, les plus contemporains. les actuels, plus contemporains, hein, oui. Francis Bacon, dont oui. on parlait par tout exemple, à l'heure, oui. sera un inconditionnel de Velázquez, Il travaillera d'ailleurs sur les tableaux de Velasquez. Puisqu'il y a de très moderne et qui nous touche chez Velasquez, et là on est encore en rapport avec ces deux grands voyages en Italie, c'est la dimension baroque, la toile baroque par excellence, c'est le chef-d'œuvre de Velasquez, c'est celui qui attire les foules au musée du Prado. Ce sont Les Ménines dont nous allons parler. Avec la joie de vivre. Le récit de Franck Ferrand. Un récit qui s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 au chef d'œuvre de Velázquez, les Ménines, Franca. Oui, vous savez, c'est une expérience facile à vivre, ça, Julia. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais vous allez au Prado, à Madrid, et même si vous n'avez que une demi-heure ou trois quarts d'heure devant vous, vous entrez, et que vous soyez touriste ou en déplacement professionnel, d'ailleurs, vous demandez aux gardiennes qu'elle vous dirige, qu'elle vous indique l'emplacement des Ménines. D'ailleurs, c'est assez facile parce que vous avez dans le musée des petites pancartes qui les indiquent. C'est un peu comme la Joconde au musée du Louvre, vous bon. savez. Et là, vous arrivez dans une petite salle. Alors, il faut espérer que ce soit une saison et un moment de la journée où il n'y a pas trop d'affluence. Vous êtes dans une assez petite salle et vous avez presque à votre hauteur, très bien placé d'ailleurs grandeur nature, c'est ce qui est extraordinaire sur cette vaste toile au format quasiment carré vous avez, vous entrez de plein pied dans ce qui avait été le grand cabinet du prince Balthazar Carlos à Buen Retiro, qui était donc le, le lieu où avait vécu le jeune prince qui venait de mourir à l'époque. Et le personnage central de la composition, ce que vous avez celle qui attire toute la lumière à elle, c'est cette petite fille dont parlait Serge tout à l'heure, c'est cette euh, infante Marie-Marguerite qui est encore toute charmante, elle n'a pas encore acquis les traits un peu disgracieux qui seront les siens plus tard à, à la maturité. Elle est là avec ces dames de compagnie qu'on appelle las meninas en, en espagnol. Hein. Donc les les menines, qu'est-ce que c'est que les menines ben, ce sont ces dames de la noblesse espagnole qui sont euh, attitrées à une maison princière. Donc elles accompagnent en l'occurrence la l'infante et ces menines, elles sont là affairées autour d'elle. Elles ne sont pas seules puisque autour de la de la princesse vous avez deux dames d'Atour, donc vous avez une folle de cour, euh, d'ailleurs dans un costume assez extraordinaire, on voit que Velasquez s'est pas mal amusé, puis un nain euh, qui est en train du bout du pied d'agacer un, un gros molosse, un chien, oh, qui a l'air bien gentil, qui est à peu près endormi euh, sur vraiment l'avant-scène, si je puis dire, sur le tout premier plan de la toile. Et alors, toutes ces, tous ces personnages sont là, et que regardent-ils Eh bien, c'est toute la question. Au départ, le titre de l'œuvre, ce n'était pas Les Ménines. Les Ménines, c'est le surnom qu'on qu lui a peu à peu donné mais au départ c'était la famille de Philippe IV et ce qui est représenté sur la toile ce n'est pas un portrait de cour, ce n'est pas un portrait de cour classique c'est le contre-champ de ce portrait en cours d'élaboration vous avez cette jeune infante Marie-Marguerite qui est là et qui est en train d'assister avec son entourage avec ses ménines, qui est en train d'assister à une séance de pause alors, qui pose Eh bien, ça, c'est toute la question. Quand vous voyez la position du chevalet, parce que toute la partie gauche du tableau, juste sur les 4 cinquièmes de la hauteur, euh, toute cette partie gauche est occupée par un châssis de toile, très grande toile. On voit que c'est une toile monumentale qui est en cours d'élaboration. De, de, Et cette toile, on la voit. De dos, on la voit au revers, et devant la toile, bien entendu, avec sa palette et son pinceau, vous avez Velasquez lui-même, un autoportrait de Velázquez au passage, chose rare ici, mais même unique en l'occurrence. Et ce qui est donc à l'œuvre, c'est la, la peinture. On est en train de, on est en train d'élaborer. Un grand portrait de cour dont le modèle est à notre place, nous qui sommes en train d'observer la toile. Ça, c'est assez extraordinaire. Et qui est peint Eh bien, il suffit d'aller regarder dans le fond de la composition, parmi de grandes toiles qu'on a toutes euh, identifiées du reste qui occupe le, le mur du fond, vous en avez une qui n'est pas une toile parce qu'elle est euh, intensément lumineuse et les bords de, les bords de la toile sont, euh, très, sont très lumineux, ils sont soulignés de blanc. En fait, c'est un miroir. Et grâce à ce miroir, vous voyez qui est en train de poser, le roi Philippe IV et la reine Anne que l'on voit d'ailleurs inverser par rapport à la position qui devrait être euh, la leur évidemment puisqu'on est dans un, dans un portrait, dans un miroir. Certains ont dit, ce n'est pas un miroir, c'est un portrait. C'est impossible puisque clairement, le roi est à droite. Donc c'est c'est bien, bien un effet de reflet et de miroir. Et donc, vous assistez à la scène. Vous avez la petite fille qui vient voir ses parents poser devant Velasquez, et Velasquez lui-même s'est représenté sur le tableau. Alors ça, c'est extraordinaire parce que ça veut dire que à la place où vous êtes vous dans la salle du Prado quand vous regardez le tableau, vous êtes à la place où se trouvait Velázquez quand il a peint Les Ménines. Mais vous êtes aussi à la place où se trouvaient le roi et la reine dans la scène qui est représentée. Et là où ça devient très bar... Alors, avec un effet de miroir en profondeur, vous voyez comme tout ça est baroque, c'est ce qu'on appelle une mise en abîme en art. Et là où ça devient tout à fait extraordinaire, c'est que les trois personnages en question sont représentés sur la toile. Le reflet du roi et de la reine, eh bien vous l'avez dans le miroir. Le reflet, j'allais dire psychologique, au deuxième degré du peintre, vous l'avez sur la toile, puisqu'encore une fois, Velázquez s'est représenté lui-même. Et votre reflet à vous, il existe. Et ça, c'est à Michel Foucault qu'on doit à cette découverte, si je puis dire, puisque dans la préface d'un célèbre ouvrage, Les mots et les choses, l'historien et philosophe bien connu, euh, Michel Foucault, a, a, a explicité cela. Vous avez au fond de la salle, au fond de cette composition, ouvert dans la paroi à côté du fameux miroir, vous avez une espèce de puits de lumière avec un escalier et un personnage qui se trouvait en aposentador, un, un chambellan du palais. Qui a un, euh, euh, les pieds sur deux marches différentes, il est sur un escalier, il regarde la scène mais il la regarde sans être vu, puisque tout le monde lui tourne le dos. Toutes les, toutes les personnes qui sont en train d'assister à la séance de pause et le peintre lui-même lui, lui tourne le dos. Il est là derrière, il voit sans être vu, il est en quelque sorte votre reflet, il est hors de la composition comme vous êtes vous-même hors de la toile, il est vous, en quelque sorte, ça donne le vertige. C'est tout simplement éblouissant. Voilà une très grande œuvre, très puissante, comme peuvent l'être les grandes œuvres baroques, et je pense notamment à un certain nombre de pièces de Pierre Corneille à la même époque, hein, qui sont, je pense à l'illusion comique en l'occurrence, qui sont bourrés d'un comment dire, j'allais dire d'interversion en tout cas de dialogue entre le spectateur ou le lecteur et l'œuvre elle-même c'est magnifique, alors si tout ça vous fatigue un peu et si vous trouvez qu'on va trop loin dans l'analyse, <laughs> vous pouvez toujours vous rabattre sur l'autoportrait de Velázquez je vous signale d'ailleurs au passage que Velázquez trois ans après la peinture des Ménines euh, est revenu euh, avec euh, un, peu de, un peu de peinture rouge et qu'il s'est peint soigneusement sur la poitrine la croix de Santiago qu'il n'avait pas à l'époque de la composition, mais qu'il a eu par la suite. Que voulez-vous On peut être génie et avoir ses petits travers de vanité. Sans sur le fond et virtuose dans la forme, nous parlons aujourd'hui de Diego Velázquez. Ah oui, de plus en plus virtuose, hein, ce qui est tout à fait extraordinaire. Alors, on a envie de dire plus il avance en âge, moins il peint, mais plus il est virtuose, parce qu'il est très occupé par d'autres fonctions. Serge gars Oui, et effectivement, sa peinture devient d'une virtuosité totale. Et j'oserais dire que le sommet de la virtuosité, c'est peut-être après le, c'est entre les deux séjours italiens ou après le second séjour italien, puisque Velázquez repartira une seconde fois. Il est donc parti en 1629. Il rentre à Madrid. Dans 1631. Là il a fait le célèbre portrait du pape Innocent. Alors lors du second séjour, hein, c'est le second hein, séjour, oui, il fait le portrait d'Innocent X qui est effectivement un tour de force oh, hallucinant là, là, là. et qui est aussi une <laughs> férocité puisque le portrait du pape est extrêmement dur et, et trop trop vrai <laughs> exactement. Et c'est tout à fait ça. Et euh, Velázquez alors là atteint euh, la, la, la plénitude de sa technique. Il y On a est notamment dans, euh, un traitement des rouges. Alors Là encore, il faut s'approcher de la toile pour voir ça, mais c'est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que entre le, je vais prendre les termes euh, classiques. Mais entre le bonnet, le mantelet, euh, l'arrière-fond de la toile, tout ça, ce sont des rouges. On se dit, mais pour coller autant de rouges sur un seul tableau, ça va donner une impression atroce. Pas du tout, c'est une merveille. Et J'ai retrouvé une phrase du critique français Viardot en 1860 qui dit, et c'est merveilleux, parce qu'il parle d'un personnage au visage rouge, avec la barrette rouge, la mosette de soie rouge, assis dans un fauteuil de velours rouge <laughs> et sur un fond rouge. C'est vraiment est... le comble de la monochromie et c'est un rouge qui change à chaque fois. Ça, c'est la qualité aussi de Velázquez. Il ouais, y a une, vraiment, là, y a une, une puissance euh, incroyable. Alors je parlais des miroirs, il y a d'autres miroirs chez Velázquez. C'est un peintre baroque, ne l'oublions pas, même si euh, la forme qu'il adopte ne le laisse pas toujours deviner. Et l'Espagne est un grand pays du baroque, c'est évidemment l'expression de ce catholicisme triomphant, et même si Velázquez n'est pas un grand peintre religieux, mais Elle plutôt où, un peintre de sujets profanes, Velázquez participe pleinement à cette explosion baroque de l'Espagne, et effectivement les miroirs, la Vénus au miroir, tableau qui est... Le L'un des plus beaux nus de toute la peinture occidentale est effectivement un tableau magique par ce reflet, d'ailleurs totalement brouillé, de ce visage d'une femme qu'on ne connaît pas. On a parfois envisagé que c'était peut-être une maîtresse italienne de Velázquez, puisqu'on pense que Velázquez a peut-être eu un enfant naturel en Italie. C'est une ouais. des choses, on n'a pas beaucoup de traces, mais il y a quand même un texte qui a été retrouvé où on aurait un jeune garçon né pendant le séjour italien de Velázquez. Alors ce qui est euh, assez fascinant aussi euh, chez, chez Velázquez, c'est qu'il devient le grand homme de l'art espagnol au moment où l'Espagne... S'effondre en quelque sorte. Car euh, sous ces dehors d'un siècle d'or qui essaie de se survivre à lui-même, en vérité, c'est le véritable marasme pour la couronne d'Espagne. Et c'est tout à fait, c'est une sorte de là aussi, faisons un petit jeu de mots sur les miroirs, c'est un miroir aux alouettes au hein, sens voilà. plein du terme, c'est-à-dire qu'on ce cache luxe, la misère. On cache la misère, c'est exactement ça, c'est un cache-misère. Et c'est vrai qu'à partir des années 1640, l'Espagne connaît de très graves problèmes, la crise financière est terrible, et l'Espagne va montrer à travers sa peinture une image qui est maintenant une image Velasquez participe à ce mythe d'un âge d'or qui se prolonge et qui continue, mais ça devient vraiment un mythe, et Vélasquez y participe pleinement. Et au moment donc où ont lieu ces fameuses négociations avec la France hein, pour le, le traité de l'île de Seveso, on est sur la fin de la guerre de 30 ans qui a fini, qui a achevé d'épuiser les finances espagnoles. Velázquez joue donc un rôle qui devient cette fois un rôle politique. Là, on est dans finalement, il ne pouvait pas rêver mieux, ce jeune peintre sévillan euh, qui monte, si je puis dire, à Madrid et qui va finir par devenir, sinon légal, en tout cas le le confrère des diplomates de toute l'Europe, c'est assez incroyable. C'est Là où on est assez étonné, parce que pour nous, nos conceptions d'un artiste, c'est justement oui. la peinture pour la peinture. Mais on parlait tout à l'heure de Rubens, on pourrait retrouver Et un oui. parallèle. Rubens, c'est un homme qui avait officieusement des missions diplomatiques, entre autres. Van Eyck en, en avait eu, puisqu'il avait suivi bien évidemment le duc de Bourgogne au moment de ses voyages, entre autres pour les mariages euh, Portugais. de oui. Portugais. Et on, on prend conscience à quel point ces artistes, qui sont les artistes placés de, au niveau du pouvoir. De façon très proche, ont vraiment des rôles importants. Je reviens à Rubens. Rubens qui est à la base du traité de paix entre l'Espagne et l'Angleterre, entre autres. Je, je ne sais pas si je me trompe là, vous allez nous le dire également, Serge Lega, mais dans l'une des toiles les plus célèbres de Velázquez, qui s'appelle La reddition de Breda, hein, qu'on surnomme les lances parce que tout l'arrière-fond est peuplé de lances alignées euh, verticalement sur un ciel déchiré, tout ça est somptueux comme d'habitude. Et dans le personnage central, le gouverneur qui reçoit les clés de, de Breda, euh, a l'air d'être d'une douceur, d'une bienveillance, d'une politesse extrême, comme si la force. Et la victoire ne pouvait s'accompagner que d'une extrême politesse. Et j'ai toujours vu là une sorte de d'idéal de Velázquez lui-même. Mais je me trompe peut-être. ça me paraît très juste. Et je trouve que c'est aussi une sorte d'image de la guerre en dentelle. C'est-à-dire oui, que la guerre ça. peut être terrible, mais <laughs> au moment où la, la paix va être conclue, eh bien les ennemis de la veille montrent un respect général. Et là, on a tout à fait ça. Puisque, effectivement, le gouverneur de la ville de Breda, qui est Justin de Nassau, remet les clés à Ambrogio Spinola, le vainqueur génois qui dirige les troupes espagnoles et tout tout cela se fait avec un respect mutuel extrême et le tableau est là aussi exceptionnel puisqu'on a un événement historique au sens le plus strict du terme et on a cet arrière-plan des lances qui là est une leçon de peinture puisque c'est un fou. jeu de lignes qui devient quasiment un jeu de lignes abstraites comme on dirait aujourd'hui c'est graphique l'histoire c'est graphique complètement ouais, et c'est l'histoire avec un grand H Alors on dit de Velázquez qu'il est mort d'épuisement après les préparatifs de de, de la fameuse rencontre oui. pour le justement pour les le mariage de Louis XIV. Il a, so il a 61, 60 ans, 61 ans. Hein. Exactement, il meurt le 6 août 1660. Il meurt à Madrid. Et il n'est pas mort, puisque nous l'avons dit, tous les grands peintres, en tout cas à partir du début du 19e siècle, vont constamment faire référence à lui. J'espère que nous vous avons donné envie de, de mieux connaître, connaître Velasquez. C'est en tout cas ce que nous dit Virginie. J'en suis ravi d'autres d'ailleurs. Et Jacqueline nous dit oh, dans la grisaille de ces derniers jours, ça fait du bien de voir des choses un peu flamboyantes. Merci beaucoup, Serge Gatt au comte Serge viatte au Com Serge viaat au Com Serge viatte au Comte Serge viaat au Com Serge viatte au comte Serge viaat au Com Serge viaat au comte Serge viatte